Moi, je préfère l'intro. Salut, bonsoir, bonjour. Hey, bonjour pour ceux qui nous regardent le jour, bonsoir pour ceux qui regardent la nuit. C'est Arnzed et aujourd'hui, j'ai eu des boosters de cartes Pokémon de l'extension Épée Bouclier Origine Perdue. J'en ai reçu 10. On va les ouvrir sans plus attendre. Le premier, un petit Zoroark. De l'Origine Perdue, sorti d'ailleurs en 2022, précisément, je ne sais plus. Alors, on va l'ouvrir, découvrir ce qu'on a dedans. On a la petite carte. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est génial. Première vidéo que je fais en facecam, je galère. Le petit truc que je garde d'ailleurs, parce que je joue. On fait, si je ne me trompe pas, normalement je ne me trompe pas, c'est 1, 2, 3, 4, et on met devant. Et c'est parti, première ouverture de booster de la chaîne d'ailleurs. Et c'est parti, on commence avec une énergie broche. Nous avons ensuite Cardus. Ok, nous avons ensuite Shaofuin, plutôt assez belle image, j'aime bien, un petit truc au milieu là, c'est super gentil, super gentil, c'est super beau. Mademoiselle, qui est d'ailleurs une carte qui est déjà apparue depuis la 3ème génération, c'est anecdote. Le petit cornier qu'on a vu, nous avons ensuite un petit chenipote, ensuite Mélofée. Excellent. Nous avons Polichombre. Tiens la langue. Un Elexprint en brillant. Oh, et le suspense, le suspense. Ah, Astronelle. Elle est très belle cette carte-là. Très très belle. Franchement, top. J'adore. Franchement, elle est belle. Je sais pas si on la voit bien. Très très belle. Ok, premier booster fait. Le deuxième. J'ai reçu ces boosters d'un jeu concours. Et ils m'ont envoyé des boosters. Il y aura une story exprès. C'est un tirage au sort, les petits jeux concours que vous voyez sur les pubs et tout. Et ben, comme quoi, je vous avoue que j'avais un peu approuvé en disant ouais, c'est de la merde et tout, c'est de l'arnaque et tout. Et en fait, non. Du coup, bah, j'ai gagné un booster. Même voir pas qu'un, mais 10 boosters. Donc, franchement, top. Donc, honnêtement, bah, tentez votre chance. Voilà, voilà, ce n'est pas sponsorisé, je vous rassure. 2, 3, 4, 4, et on met devant. Pousse en avant, pousse en arrière. Energio pour commencer. Un Tritosaur, très beau, parce que du coup, c'est marrant, parce que maintenant, on a les deux formes. Donc la forme bleue, la forme rose. La forme, je ne sais plus les termes, mais bon, au pire, je la mettrai par ici, les vrais noms. Mais sachez qu'avant, dans la 4ème génération, donc la génération de Tritosaur, et ben les cartes étaient séparées. T'avais la version avec le bleu, la version avec le rose. Et depuis, il me semble, si je ne me trompe pas, depuis noir et blanc, si je ne me trompe pas, ils ont fait en sorte que la carte soit que les deux formes en une seule. Ils sont plus chiés à faire un coup bleu, un coup rose. Voilà, c'était une anecdote. Et aussi, sachez que Tritosaur était prévu pour la 3ème génération. Dans les jeux vidéo, mais ils les ont retirés pour mettre un autre Pokémon à la place. Voilà, voilà, c'est le petit moment culture Pokémon. Suivant, donc un Melancolux. La carte est vraiment très belle. Ouh là là, ouh. Nous avons énergie cadeau. En parlant de cadeau, c'est booster, je parle bien. Nous avons un Meditica qui mange des baies. Le Rondourmand qui est... Ah non, j'ai cru qu'elle était liée avec les cartes qui étaient là, mais du coup non, excusez-moi. Bref, un Rogomand. Un Brocélome. Si je ne trouve pas le terme. Bref, vous avez compris, il faut lire, hein. Très très bien, okay. Je sais pas quoi ressemble cette maison, je vous avoue, c'est très longtemps que je regardais l'extension Origine Perdue, parce que là, à tout le temps de la vidéo, il y a déjà une nouvelle extension qui est sortie. Donc si je ne me trompe pas du terme, c'est avec un Lugia dessus, il y a deux petites Alola, et le nom est Tempête Argentée, qui est sorti, bah, du coup,
Alors, je tourne la vidéo il y a à peu près un mois, si je ne me trompe pas, parce que c'était au mois de novembre qu'est sortie l'extension. Et donc, ouais, je suis en retard, mais bon, après, voilà. Nous avons... Après, pour en revenir, comme quoi la carte est très belle et à voir son évolution, si je l'ai. Alors, Scorplay, un très beau Pokémon, sympa. Un Simulabre, qui d'ailleurs prend la petite pause, là, sympatoche, là. Nous avons un Muscule en brillant, avec les petites... ouais, les petites énergies dragon, quoi. Ensuite, nous avons un... Oh putain. Première fois que je vous fais une ouverture de booster sur cette chaîne YouTube et j'ai une carte rare. C'est... Oh putain! Alors là par contre, très marrant. Un Muplodocus de Hisui V-Star. Vache! En plus, alors sachant que juste avant j'ai le Mucuscule en brillant et là juste derrière le Muplodocus de Hisui V-Star. Wouah! Elle est super belle. Wouah, franchement, une première ouverture de booster, super belle. C'est pas la secrète parce que, enfin, c'est pas que je m'en fous, mais moi, du moment que j'ai la carte, je l'ai, voilà, je suis content. Je m'en fous si c'était une ex ou pas. Mais franchement, là, je dois avouer, elle est super belle. La couleur d'énergie dragon, ça fait un peu du doré. Et là, avec l'argenté, ça fait un putain de mélange. Franchement, bravo ceux qui font les designs des cartes, donc bravo. Dernier booster avec Zoroark. 2, 3, 4. Et alors, pour commencer, l'énergie foudre de foudre. C'est marrant, petit Voltali. Eh, mais attendez. On a la foudre, Voltali. Le type O pour Aqualie. On va voir ce que le booster nous réserve. Je peux faire une théorie. Spoiler alert. Énergie foudre. Pompe à dégâts. Le Sébipien, très belle, franchement très beau l'expression. Ah, passons. L'immonde de Galar. Love Disc. Exadron. Ah, belle joie, qu'est-ce que c'est, ça va. Un petit tas. Un Scorpion, encore une fois. Ah, un Muscule, mais cette fois-ci pas holographique, mais en normal. Ah bah tiens, sans coquille en brillant. Et maintenant la carte rare. Papinox. Passons à Giratina. 1, 2, 3, 4. 4, ouais. Ouais. Fatigue est présente ce soir. Oh mon dieu. Énergie feu. Bon bah c'est bon. On a l'énergie type normale qu'on a eu dans un booster. Il me semble que c'était celui-là, je ne sais plus. On va vérifier à la fin, faire un petit tour vite fait de ce qu'on a eu. Pour le Evoli, on a eu l'énergie foudre pour le Voltali, l'énergie eau pour le Aqualie, et là, énergie feu pour le Pyroli. Franchement, qui dit mieux? Bon, c'est mon énergie type psy, j'ai mon petit Mew, hop, qui est là dans mon bureau, parce que je tombe sur mon bureau, qui est juste là, ce serait parfait, ce serait très marrant d'ailleurs qu'il soit là. Et donc, c'est parti, sans plus attendre, énergie feu. Charmina, on a eu Militica juste avant, c'est très marrant qu'on. En fait, on en complète les familles petit à petit. C'est tout un booster, c'est la première, mais c'est énorme. On a les Détrousseurs, qui sont d'ailleurs le genre Arceus, parce que le booster se place dans le genre Arceus, pour ceux qui ont pas l'info. Et du coup, on retrouve, donc, c'est des méchants, c'est un peu la team, enfin, je dirais un peu la Team Rocket du jeu. Ils sont animés parce qu'ils n'apparaissent pas tout le temps, mais bon. Enfin bref, jouez au jeu d'ailleurs, très bon jeu. Très bon jeu, la licence. Un Porygon 2 avec les formes, je sais plus le nom. Il faudrait que je cherche, parce que là, je vous avoue que je sais pas. Je mettrai le nom, je sais plus du tout le nom. Mais j'en ai déjà plein, j'ai déjà... je sais plus ce qu'il y a dans l'extension, mais il y en a pas mal. Il y a même des cartes objets, si je me trompe pas, qui sont de cette forme-là. Je sais plus le nom de cette forme-là, parce que je sais qu'elle est... l'objet, un peu comme à l'époque, avec Team Plasma, tout ça, qui ont fait cette forme-là. Et ah, très marrant, c'est une erreur de ma part, je ne sais pas. Donc pour Porygon 2, un petit Paras. Ah, Bargantua de Hisui, qui a d'ailleurs une évolution, mais d'ailleurs je l'ai déjà. Pas de cette tension là, pour vérifier si je l'ai ou non, mais bon. Ah, Brancelome,
que on a déjà eu juste avant. Un Makuhita. Sympa l'image, très sympa. Cet effet là. La plage et tout. Franchement cool. Un cornet encore une fois. Ah, coup de langue en brillante. Très sympa. En plus la langue est très bien. Enfin, c'est mes goûts, attention. La langue est très bien faite, ce que j'aime bien, c'est bien. Zoup. C'est vraiment top top quoi. J'aime bien. Dernière carte. Un Spiritomb. Un Spiritomb. L'avant-dernier. Du booster Giratina. Ou Giratina, Giratina, comme vous voulez, ou dites comme vous voulez. Bon, qu'on se comprenne. 1, 2, 3, 4. Énergie Roche, on l'a déjà eu d'ailleurs, donc très marrant. Ça se pose quand même. Je sais pas si c'est déjà possible qu'on ait le booster, que quand on loue, on ait encore les mêmes boosters, les cartes soient pareilles et tout. Enfin, pas pareil, ça serait vraiment pure chance. Mais un petit peu mélangé, mais pas vraiment, tu vois. Mais je pense que c'est possible. Donc, un taux de chance vraiment énorme. A voir, c'est vraiment possible. Si vous avez quelqu'un qui connaît, qui a pris mes cartes Pokémon ou autre, mettez un espace commentaire si vous en savez plus sur ça. Moi, je n'en sais rien. Énergie Roche, Mélancolure. Ça va. J'ai de la chance. Énergie Cadeau. Et bah, tiens, Énergie Normale, du coup, on en a une deuxième. Donc, le Evoli. Bah, du coup, Énergie Roche, bah, du coup, c'est Énergie Normale. Du coup, on a les 4, franchement top, ça m'a les 4, c'est vraiment top cette ouverture de cartes. Ville perdue, et ben il me semble que du coup, ça se rapporte à la ville perdue, parce que comme il y a Giratina, pour ceux qui s'en rappellent, dans la zone perdue, dans la première génération, voire, je sais pas si on refait, mais il me semble qu'il y avait une carte, c'était le même style que ville perdue, c'était même d'ailleurs la zone perdue si je me trompe pas, et en fait les Pokémon quand ils étaient KO, ils étaient envoyés pas dans la pile des fosses, mais dans la zone perdue. Scorplane, encore une fois, c'est autant que Cornet. Bon, du coup, on en a assez plus connu. Ah, bah c'est marrant, mais du coup, il y a encore lui. Simularde, encore une fois. Oh, deuxième fois d'ailleurs. Un Archéomir. Un Dynavolt. C'est marrant, on a eu l'esprit juste avant en brillant. On va voir ce que nous avons juste après. Oh, un Raichu. Très beau. Ah, très très beau la carte. Ah, franchement, bien. Très très beau. En plus, avec les petits éclairs en fond, la brillance de la carte, justement. Ouais, parfait, waouh. La carte rare. Rond Grigou. Je tiens à préciser que les cartes que j'ouvre là ne sont pas en vente. Voire à voir. Je verrai au pire Si elles sont en vente, au pire, je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Si je le fais vraiment, c'est pas dit. Je verrai selon le nombre de doubles que j'ai. Si vous les voulez. En tout cas, ne vous inquiétez pas, état neuf. Sans blague. Dès qu'elles seront en vente, je verrai. Je mets en courant dans la description de la vidéo. 1, 2, 3, 4. Oh, petite énergie obscure. Super bête, d'ailleurs, les énergies de l'extension, c'est pas ça de Légende Arceus, enfin de l'extension, enfin, l'extension qui est sortie après Légende Arceus, je sais plus le nom. Et ben, c'est simple, c'est Star Étincelant qui est sorti à partir du. Enfin, Star Étincelant en fait est sorti juste après le jeu Légende Arceus pour un peu l'extension qui marque le jeu en fait. Et après, ils ont changé les énergies. Super belle, franchement, une petite lumière au fond de du coup, la petite sphère de l'énergie. Elles sont super belles, sont super, franchement, super. Et ben, Archéodon, on a eu l'Archéomère juste avant, donc c'est parfait. Expérience de Nicolai, donc pareil avec le petit logo, je vous mettrai de son en bas ce que c'est, justement, ce que je sais là, actuellement, je ne sais plus. Je vous avoue, je tourne à la fraîche, je me répète, je sais très bien. Mais je sais plus, je mettrai le nom dans la description, dans la vidéo, je veux dire. Oh, Dodo à la... Il est mignon d'ailleurs, ce Pokémon, si on lui retient sa bûche. Qu'est-ce qui devient? Y a-t-il toujours un Doado là? Ou alors, y a-t-il un autre Pokémon? Ou est-ce que sa bûche, s'il a froid? Ou alors, on lui vole, ou qu'elle fond, ou qu'elle craque, ou qu'elle brûle?
À voir ce qui vient. Dodo, voilà. Miss Nibule. Un lit magma. Très bête carte d'ailleurs, je tiens à préciser. Un Roselia. Nous avons un Mélophée, deuxième fois qu'on l'a. Nous avons un Porygon. On a eu le Porygon 2 juste avant. Peut-être qu'on aura le Porygon Z à voir. On a encore pas mal de boosters à ouvrir. Et ensuite, nous avons la, oh, la carte rare. Hein. Petit Hippotron, trop mignon. Qui brille avec des petites boules d'eau. Mais c'est trop mignon. Nous avons ensuite. Oh. Oh yeah. C'est 129-196, ça peut être qui? Attends. C'est un type normal, on dirait bien. Oh, flemme de chercher. Wow! Et c'est passé. Et c'est Berserkat de Galar V. Ah, pas mal. Je l'avais même pas. Bah, je l'avais pas en plus. je n'avais pas. Je n'ai aucune V de mémoire. Ou alors, j'ai juste... Non, j'en ai aucune, je crois bien. Nous passons maintenant à Gardevoir, donc je vous rappelle qu'il y a deux boosters de Gardevoir, deux boosters de Amovenus. À voir, nous n'avons plus que 1, 2, 3, 4 boosters à oublier là. Donc, le tout va être évidemment comme d'habitude sur le booster. 1, 2, 3, 4, 0, 0, bois. 4, 5, 6, énergie, type psy. Comme le petit mieux que j'ai justement ici. Passons. Ville perdue, bah on l'a déjà eu, donc vous connaissez. Donc comme j'avais dit, oh, Colédoum. Bah du coup, plus que l'Arvadar. Et j'ai un famille complet de l'extension. Et il me semble que je l'ai déjà. J'ai foin que je fous, mais il me semble que je l'ai déjà. Un Hippocéan, yes. Donc on a la famille presque complète, plus que les Hipporois, mais les Hipporois, il me semble que je l'ai déjà, mais bon, pour l'ouverture, ce serait sympa qu'on l'ait, c'est très marrant. Un Archéomir, un Dinavote, on les a déjà eu, donc je passe, parce que sinon, la vidéo s'annonce trop longue. Un Photominus qu'on a pas eu, mais une petite anecdote assez marrante, avec mon pote Julien, si tu regardes cette vidéo, tu vas reconnaître le petit délire qu'on a eu, je ne te raconterai pas. Dans une FAQ ou un truc comme ça, je le raconterai, mais bon, on verra plus tard. Un Quaneton, voilà. Un Opermine, ok, assez marrant, je trouve. C'est des mains qui sont du sol et qui vont te manger. Bref, oh, oh putain, un Stelix radieux, un Stelix tout shiny, 170 PV. Voilà, vache, mais non, mais attends, il y a un problème, c'est pas la carte roi. Attends. Un Sepiatros en rare. Ah, c'est marrant, type psy, type psy. Non, mais attends. Un Stenix radieux. Mais attends, mais waouh. Mais elle est trop belle. Deuxième Gardevoir. 1, 2, 3, 4. C'est génial. Oh, énergie plan, mais dis donc. On va avoir toutes les énergies à peu près. Oh, Colimicus de Isui. Bah, du coup, on a fait mille complète. Enfin, en comptant la Vestin qui compte comme l'évolution, hein, même s'il y a la V du coup avant. Mais du coup, on a famille complète, si on compte juste le nom de Pokémon. On a famille complète, c'est génial. Lac Messine, waouh, très très belle l'image. Lamperois, très très beau. Hippotran, toujours là. Un sans coquille, on l'a déjà eu. Caninus de Isui, très marrant, il me semble que je l'ai déjà. Mais très marrant du coup, cette forme là. Un Otaria, qui est d'ailleurs très marrant pour Pokémon, parce que c'est le genre de Pokémon qu'on voit très rarement dans les boosters et qu'au final il apparaît en mode coucou. Rockabot, le petit chien trop mignon, le petit proche. Trop mignon ce petit Pokémon là. Un Makuhita tout brillant. Et enfin, un Dolman en rare, avec bah, du coup la forme, je mettrai le nom dans la vidéo mais évidemment. Ici présent. Ok, la petite carte, 1, 2, 3, 4, et ben on est au complet, l'énergie acier, on est au complet, j'ai 10 boosters, 10 énergies, attends, 10 énergies, ouais, à voir, non mais en vrai je les ai tous en fait les cartes là,
Eh ben c'est parti pour le petit passier. Petit passier. Caisse à outils. Ariama, du coup on a la famille complète avec Makuhita. Le Smarkeus. Le smartphone version Pokémon. Ce n'est pas un petit smart, c'est le Smarkeus. C'est genre t'as l'iPhone, t'as Huawei, t'as Samsung. T'as le Smarkeus et le Motisma quoi, Motismart. Du coup bah t'as un Xiaomi quoi. Bref. Un Sepiatop. Du coup on a la famille complète, si je me trompe pas, on a eu juste avant. On a. Oulala. Et ben l'Arvada, bah c'est parfait, j'ai la famille complète. Et ben c'est très bien pour une famille de 3. En complété en une seule. En 10 boosters. C'est très très bien. Un Ikayon. Je pense que c'est une carte que tout le monde a. Enfin, l'attaque médicale, voilà. Un Mimigal type ténèbres. Un Sepiatop. Du coup, on a vraiment la famille complète. Oh, Arcanin de Hisui en rare. Je ne l'avais pas du tout celle-là. Avec les petites énergies de type combat. Super beau, franchement classe. Puis d'ailleurs, on dirait que c'est l'image du roi Lion. Parce qu'il y a la petite cognée et tout. Bref, suivant. Oh, ou pas. Ah, en plus j'avais pas enfin cette forme là, forme déchaînée. Franchement super. Ah, j'ai ou pas maintenant. Ah bon, bref. Dernière ouverture. 1, 2, 3, 4. Énergie food, bah, du coup on les a tous. Lac savoir. Et au remake. Un Istraci. Là c'est marrant parce que l'extension j'ai perdu il n'y aura pas un Clorapius parce qu'on ne peut pas trouver de Stracy. Très marrant. C'est un meilleur extension. Un Pifeuille. Putain ça peut pas qu'on l'a vu. Un Pilinaveur. Un Polichon. Un Chenipote qu'on a déjà vu. Un Anchoate qu'on n'a pas vu par contre on a vu son évolution. L'Empereur. Un Écaillon. Oh, une carte secrète Ronflex. Mais non. Oh putain. Oh mon dieu, la carte secrète de Ronflex. La TG 10 sur 30. C'est la première fois que j'ai une carte comme ça. Toute ma vie de collection de cartes Pokémon. La première fois j'en ai une comme ça. Et la toute dernière. Un Nigosier. Pour récapituler, nous avons eu les boosters. C'est la première, c'est celle-là. La première, nous avons eu un petit Astronel en rare, qui d'ailleurs a été la famille complète, du coup, parce qu'on a eu donc ses évolutions. Donc, Polydrome, si je ne sais pas, Larvada, juste avant. On a fait mes copains, donc très bien. Un petit esprit brillant qui est super beau, franchement. La carte est super belle, l'image est super belle. Mais le fait d'avoir en brillante, ben franchement, ça fait tout péter. Enfin, franchement, top du top. Si on fait le point au niveau des rares, continuez. Deuxième ouverture a été top parce que on a quand même eu le Vestar un petit peu plus de Hisui en Vestar. Avec ce qui est très marrant, c'est qu'on a eu la rare qui a un Mucuscule qui est son évolution en plus en brillant. Donc, comme quoi, c'était vraiment top. Quoi, le hasard, enfin, les boosters est très beau. Qui d'ailleurs, à la fin, on a eu donc son évolution. Donc, fameux Colimucus de Hisui. Donc, en fait, dans la famille complète aussi. Bon, c'est une Vestar, du coup, ce n'est pas la normale. Du coup, je la compte à dire à moitié. Mais si on veut d'aller dans le sens des images Pokémon, on l'a la famille complète. L'ouverture de ce booster, franchement, une deuxième veste, enfin, V, du coup, une ex quoi. Berserker, donc l'évolution de Naus de Galar. Galar, lui, Berserker, qui est un très beau Pokémon. L'énergie psy, qu'est-ce qu'on a eu de beau pour récapituler. Oui, on a eu le Sepiatop, Sepiatros, je veux dire, qui est un beau Pokémon, qui est d'ailleurs la véritable histoire de ce Pokémon. Il est un peu sombre, on a les deux, enfin, on a les très bons Pokédex, qui est un peu sombre d'ailleurs, mais bon, voilà. Et par contre, le meilleur de tous, le Steelix. Tout shiny quoi, le Steelix radieux, le Steelix en or, enfin le Ronflex quoi, en TG quoi, les cartes sont tout en bas de l'extension qui sont super rares. J'en ai une, waouh,
Et puis Nigozi, donc avec le petit truc sympatoche. Enfin bon, franchement, une belle ouverture. Je suis très content. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonjour. À la prochaine. Salut, c'était RMZ.